Allez, salut à tous! Salut à tous les amis! Petite vidéo ce soir. Probablement courte. Ils sont plus là. Où ils sont les salauds? Probablement courte parce que je suis crevé en... Ils sont par là les enfoirés. Je vous entends les mecs! Il est où son jumeau là? Ah, quand ils sont dans le courant, ils sont vraiment mauvais. Vous avez vu la concentration? Oh, je ne parle plus, il n'y a rien. Oh, j'ai continué. Oh là 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 là. Putain de merde, voilà, c'est moi qui suis mal. Ah non, c'est bon, ça passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? D'où ils sortent? Ils jouaient chaud avec moi? Donc ouais, je voulais pas faire de vidéo parce que je suis vraiment claqué. Et cette semaine j'ai beaucoup de boulot, enfin bref. J'avais plutôt la flemme. Mais sauf que comme j'ai du taf, il y a de grandes chances pour qu'il y ait que aujourd'hui que j'ai le temps de vous faire donc une petite vidéo. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Puisqu'il n'y en aura peut-être pas d'autres dans la semaine. Probablement pas d'ailleurs. Donc voilà, ma cabane est là. Donc ça c'est... Hein, ah bah non, l'autre fois je vous avais pas fait voir mon petit refuge. L'autre fois j'ai plutôt eu la bonne idée de mourir lamentablement dans la lave. Bon alors, hop, j'ai fondu de l'or. Pour avoir des lingots, parce que là ça commence sérieusement à me peler de... De pas pouvoir dormir et donc de réapparaître ici en cas de mort. Donc, je me suis fait une petite montre, voilà. Je vais sûrement éviter de... Je vais sûrement éviter de m'éloigner d'ici. Le temps de... D'avoir pu donc utiliser le checkpoint. Alors vous savez, c'est ici hein, que je suis mort. Hein. Il y avait la lave, j'ai cassé la lave. Voilà, je tombais d'en haut. Et puis comme on me l'a justement gentiment fait remarquer, il y avait de l'eau juste à côté. Mais bon, la panique et le noobisme ont fait que j'ai préféré courir au seul endroit où il y avait pas d'eau. Hop. On va faire un peu de redstone. Donc le programme en plus aujourd'hui, enfin cette semaine, là, si je voulais pas du tout faire, enfin je voulais pas du tout. J'avais prévu de vous faire un petit peu autre chose que du Minecraft pour une fois. Sauf que le jeu que je vous prépare nécessite des réflexes assez affûtés et que si je aujourd'hui là je refaisais un épisode avec ma webcam, je pense que je ferais peur à tout. Parce que bon, j'ai passé le week-end avec mon copain Jack Daniels et puis voilà quoi. Hein, j'ai pas trouvé le temps de dormir parce que c'est un copain bavard, hein, donc ça nous a pris du temps. Donc là je le fais pour vous faire plaisir, histoire que vous ayez une petite vidéo à vous mettre sous la dent. Ça m'énerve de les entendre depuis tout à l'heure les zombies et de pas voir où ils peuvent être. Est-ce qu'il fait nuit? Putain, mais pas encore, hein. Ça fait 15 plombes que je suis là en train d'attendre qu'il fasse nuit. Et que j'entends les autres qui me gonflent là. Je me demande s'il n'y aurait pas un donjon quelque part. Parce que je crois qu'à un moment de temps j'ai creusé ici et j'ai eu directement un bloc de cobble. Je trouve ça bizarre en même temps. On verra plus tard. On a autre chose à foutre pour l'instant. Je vais vous emmener voir un petit peu la mine et tout. Là faut que je retrouve les spawners du coup de mini araignées. Bon, c'est de là où j'étais tombé, faut que j'y retourne. Il y a vraiment énormément de fer maintenant, je me fais même plus chier à tout miner parce que c'est pendant un temps fou. Alors donc ça c'est un nouveau bloc. Je sais pas
pas si vous avez bien vu vos leçons, si vous savez ce que ça fait, ça ralentit. Voilà, on arrivait de par ici, et ici on devrait avoir quelques petits trucs intéressants. Alors j'ai appris en regardant une vidéo d'Arnaud qu'apparemment les graines de citrouille on ne pouvait les choper que dans les mines abandonnées, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas c'est ce qu'il dit. Donc, si c'est pas ça, c'est que c'est lui qui dit pas bien. C'est pas pour balancer, mais bon. Ouais. Je pense qu'on en trouvera pas ici, hein, parce que bon. Moi cette mine, je l'ai déjà explorée en multi. C'est bizarre quand même qu'il n'y en ait pas qui pop là, je comprends pas. Je suis pourtant pas en peaceful quoi, ça devrait pop là. En plus ça me stresse à faire du bruit. Je pense que ça bug. De toute façon là vous voyez, j'ai un pack de textures, les araignées sont blanches. J'ai aussi les Enderman maintenant qui apparaissent en blanc. Mais bon, ce pack de textures est... Je le trouve vraiment très très joli, donc j'estime que ça mérite les quelques bugs. Oula! Ah oui d'accord, c'est dangereux là ce que je fais. Bon, j'ai pas de pelle, hein, vous savez, moi j'aime pas les pelles. Bon, je me fais jamais de pelle. Moi, hop! J'aime ces bruits là. J'aime le danger ambiant. J'entends un squelette, un zombie. Ah oui, il faut savoir. Bah oui, mais d'ailleurs, ça je le sais. Quelque part dans cette mine, hop là, vous voyez, je suis ralenti, j'ai sauté. Et j'avais un bloc au-dessus de moi. Oui, comme moi j'ai déjà exploré en multi avec Zélie cette mine, je sais qu'il y a quelque part un donjon. Pourquoi j'arrive pas à le péter lui? Ah mais non, parce que c'est avec l'épée que ça se casse. Enfin, ou peut-être pas. En attendant, ça a l'air particulièrement laborieux de le faire à la pioche. Et putain. Et ouais les mecs, il est pas que con ce Beldaras, parfois il est prévoyant et tout. Zombie là-bas, ok, bon bah. De toute façon ici on va explorer à l'arrache. Hein. On va explorer à la rage, donc bon là de toute façon je vais pas vous faire toute l'exploration d'une vidéo. Hop là. Hey. Alors la garde, je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai encore jamais réussi à garder une flèche. Hein. Allez tire salaud. Ah, vous voyez, je prends quand même dans ma gueule. Allez pète. Pourriture. Espèce de raclure communiste. Alors j'ai rien contre les communistes hein, les mecs. Faut pas prendre ça au premier degré. Hein. Wow wow wow. Moi je saute dans des endroits comme ça là, le mec complètement inconscient. Donc ici y'a rien, ça me dit quelque chose ici. Ça me dit quelque chose, on avait dû y passer en multi. Bon par contre si... Alors donc oui, d'après Arnaud, donc de ce que j'ai entendu, il y aurait des coffres dans les mines abandonnées. Hop. Putain. Il m'a fait peur ce con. Je viens de voir l'animation des coups critiques, mais bon, ça tout le monde connaît, hein. De toute façon je suis pas là pour présenter la mage, vraiment. Alors j'ai aussi trouvé en mode créatif sur une autre map, un village de PNJ. Alors je vous ferai peut-être voir, pas parce que j'en ai marre de... Oh putain. Elle est où? Eh oh 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 oh. Oh la vache, y'en a partout. Oh merde, je suis empoisonné. Et ben voilà, donc quand j'avais vu ces araignées en multi, elles ne me tuaient pas. Enfin, j'ai jamais été empoisonné en fait, disons plutôt. Oh putain, il va falloir que je retrouve ma baraque. Donc je commençais à croire que c'était un mythe. Elles viennent de là-haut, hein. Donc là-haut, il y a quelque chose.
Donc voilà, je pensais que c'était un mythe, mais non, visiblement, elles peuvent réellement nous empoisonner, donc. Saloperie. Je tourne en rond, là. Allez, on va voir par là. Oh la vache. Ça y est, je commence à flipper. Oh putain. Ah, du coup, maintenant qu'elles ont failli me faire trépasser une fois, elles me font déjà un peu plus flipper qu'avant, tu vois. Allez, je veux un coffre avec des graines et tout, là. Je veux faire de l'agriculture. Je suis incapable de me rappeler par où on était passé la dernière fois alors. Ah, des coffres! Putain, trop bien les mecs! C'est génial! Allez, bon Dieu, va crever toi! Yeah! Ouais? Hé hé! Voilà des graines de melon, du diamant, c'est très bon ça! Et de l'or, donc c'est vrai! C'est vrai, j'avoue que j'étais sceptique. Mais j'avais tort. Putain, ouais d'accord. Va te retrouver toi, je me disais, bah de toute façon il y a des torches, j'ai déjà dû passer, mais non. C'est les mineurs qui foutaient des torches. Oh. Et moi j'ai pas été... J'ai pas été au lit là. Alors vous allez voir que je vais bien réussir à crever. Et que comme ça, va encore falloir que je me fasse chier à me reconstruire une barque et tout pour ressortir. Ça, de toute façon, c'est gros comme une maison. Alors bon, là, la mission maintenant, c'est de retrouver le lit, hein, et de réussir à avoir cet endroit comme checkpoint. Alors c'est pas gagné, je sais plus d'où je viens. J'ai déjà dû aller en bas là. Forcément, hein. Non, cette torche elle est pas à moi, ben non, je suis con. C'est le même problème que ce que je disais, c'est les torches des mineurs. Je crois qu'elle va être relou un peu du coup cette vidéo. Non, ça va les gars, faites pas trop chier. Bon bah tant pis, je descends, vas-y, ça me saoule. On est parti à la one again. Bon bah ok, ça nous aura pas mené loin. Si, ça continue là-bas. Ça a l'air de continuer. Mais je peux pas remonter le courant, alors qu'est-ce qu'on va faire? Allez! Ah putain, non! Ah mais c'est de la vraie merde ces blocs-là, putain, ils m'empêchent. Ah putain! Hein, c'est saoulant là, hein? Tiens, dégage! Bon bah voilà, on est à la bedstone, on est content, et ça nous rapporte rien du tout. On est toujours coincé dans notre mine à la con là, pardon, excusez-moi du langage. Ouais, Beldar, c'est pas bien et pas trop grossier, putain, je suis sûr que le mec il vient plus là déjà. Ouais, bon bah, what the fuck, je veux trouver une sortie. Laissez-moi survivre. Pardon, je m'égare, mais je vous dis, la fatigue, j'aurais mieux fait de pas faire de vidéo parce que là vous allez morfler là, les gars. Bah ouais, y a pas de justice. Hein, hop là, toi. Putain, je tourne total en rond là, c'est une cata. Peut-être pas avoir le choix, hein, je vais peut-être être obligé d'abandonner l'espoir de retrouver ma cachette. Hein. Parce que là on va jamais y arriver. Je venais de là moi à la base. Je venais de là ou je venais... Non, je venais de là. La première fois que je suis venu là. Vous vous rappelez vous? Je venais de là-haut, non? Et je me sens bien faire un petit passage par là-haut. Hop là. Remarquez que je suis devenu un... Un pro de la plateforme. Par contre, je suis toujours une key pour tout le reste. Mais allez là, on se casse là. C'est un peu chiant, hein, c'est tous ces blocs là. Il y en a trop en fait. Allez, la toile d'araignée maintenant. Biche.
Bon bah la nuit tombe, hein? Donc là je pourrais me coucher. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis perdu. On est mal. Ah les gars, on est mal. Ah non, ça c'est les torches des autres trous de balles, ça. Ouais, je faut que je m'enfonce dans les tréfonds de la mine. Je suis complètement paumé. Hop là. Eh. Ce serait-il pas de là que je venais? Non. Ah non, ça me dit rien, c'est d'avoir fait un trou à la con comme ça. Et pourtant... On se rapproche là, non? Oh là là! On se rapproche de la mort. Ouais bah... Oh. Ah mais ça m'a complètement désorienté là, j'allais par où? Par là? Ah bah non, j'ai tourné en rond encore. C'est une vraie cata. Je vais jamais retrouver ma route. C'est maintenant une conviction. Hop hop hop, hop là. Tu vas mourir, les crayons. Tiens. Eh hé, hey, il y a beaucoup de lumière ici. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Est-ce que tu te rappelles avoir vu de l'eau, Jean-Philippe? Oula, il y a de la lave. Eh, hey, j'ai retrouvé. Et maintenant, je peux sauter là. Vous voyez, je meurs plus. Oh putain. Dit le mec avant de crever lamentablement. Bon, et bah comme ça, c'est super. Je vais m'arrêter là. Alors désolé, hein. Putain, la qualité là, pas terrible. Arrête. Oh my god. Le jour se lève. Pète une pile. Bon, eh ben désolé pour cette vidéo daubée. À se demander même si je vais l'uploader. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous prépare un peu autre chose hein, que du Minecraft, là. Je vais pas vous dévoiler le jeu, hein, c'est du jeu indé, puisque j'avais dit que je présenterais des jeux indé, tant qu'il y a faire. Parce que c'est pas forcément du coup très grand public et puis bon puis voilà je préfère donc je vous présenterai mais alors peut-être cette semaine si j'arrive à trouver le temps. De toute façon on sera pas très long parce que c'est un jeu très rapide et très bourrin donc je pense que ça durera vraiment maximum un quart d'heure. Maintenant, faut que j'ai la patate pour le tester, hein, parce que là, on verra. Je vais peut-être le faire là, la foulée, hein. Je vais me lancer une partie si je vois que je suis pas si mauvais que ça, avec mes yeux là, de lapin russe albinos. Là. Je ferai peut-être ça dans la foulée. Je vous fais ça, le montage là des parties avec Xaeli, là, où même le son était daubé, j'ai pas encore commencé à y toucher, hein, parce que, je vous l'ai dit ce week-end, à part faire le con, j'ai pas fait grand-chose. Donc à voir aussi, ça je le ferai. Et mais bon là il y a plus de boulot donc ça va pas être tout de suite. Et puis autrement ben bah, on va se choper pour la suite. Mais bon je voudrais vraiment avoir ce truc en checkpoint. Et j'espère qu'un jour on trouvera la sortie. De toute façon je pourrais te cheater pour la trouver hein, parce que je suis je suis un pourri moi. Et donc voilà. On se retrouve bientôt de toute façon et merci encore pour vos messages de soutien. Pour les messages moins de soutien aussi, là j'ai quelqu'un qui avec qui on a une petite discussion, mais tant que c'est argumenté à critique, ça me gêne absolument pas, c'était le cas de cette personne, donc très bien. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.